arraché à la sortie de Kalamongo. Voilà. Donc on a dû tout faire manuellement pendant 6 heures. Voilà, les instruments sont éteints et on fait manuellement. Voilà, cet écran est allumé, mais pas les autres. De Kalamongo à Blanes, on a fait tout au manuel. Et là, le port d'arrivée est juste ici, port de Blanes. Voilà. Là, on essaye de voir ce qui s'est passé avec le pilote automatique. On espère qu'on va le réparer d'ici demain. Voilà. Donc ce midi, c'était des sandwichs avalés vite fait. Car avec la houle qu'il y avait et le pilote qui ne marchait pas. Donc obligation de barrer pendant plusieurs heures. On avait dit que les pilotages automatiques étaient éteints, étaient en panne. Et aujourd'hui, nous les avons réparés. Donc voilà pour la barre. Rouge, c'est bâbord. Et vert, c'est tribord. Et là, on est prêt de partir du port de Blanes. On ouvre la grande voile. On vient de quitter Blanes, direction île Baléares. Elle est ouverte déjà? Oui. Bon, il y a de la grosse houle quand là, même. Là, on va agiter un peu parce que... Calme le téléphone de Fredo. Tiens, calme ça. Moi, Fredo, je lâche et je tire. La trinquette et la grande voile. Voilà, on a ouvert la trinquette complètement et la grande voile aussi. Voilà comment on gîte. On gîte quand même beaucoup. Voilà, comme ça. C'est la course avec ma visa. Ouais, on est en course avec ma visa, ceux qui nous accompagnent pour la transatlantique. Voilà, le cadeau de Odile et Marie-Hélène. C'est du tricot. Voilà. C'est pour faire un bonnet. Voilà. Mais on hésite à faire un cache-cou. C'est moins long. Voilà. Le capitaine. Frédéric. Le matelot Jade qui est un peu malade. Donc il y a le seau juste ici. Et moi, matelot Julia. Voilà. On s'occupe comme on peut. Gros bisous. Ah non, attendez, attendez, pas gros bisous. Il y a beaucoup de vent. On va à 8 nœuds. 8 nœuds 1, 8 nœuds 2. 13 nœuds 20. Et sinon, c'est 16 nœuds de vent. Enfin non, pas de vent, mais apparent. Voilà, voilà. Jade dort parce qu'il est un peu malade, donc il va pas faire l'écart. Maman qui est juste là, dit coucou. Voilà. Moi, il s'est présente avec Elsa. Je vais faire l'écart avec maman. Et le capitaine, il va aller se coucher. Voilà. On a mis le génois. Bon, on voit pas trop. Mais on a mis le génois et la grande voile. Et là-bas, on voit la petite lumière, c'est nos amis Mavisa
qui nous suivent. Ouais, donc on va garder le cap jusqu'à 5 à 6 heures du mat, jusqu'à arriver au Baléares. Et moi et maman, on va se coucher vers 1h du matin. Bon, comme on gîte plus, il n'y a plus de vent, Jade est redescendue dormir en bas. Et Julia, qui devait faire le quart avec moi, eh ben, elle se retrouve dans mon lit avec Elsa. Elle m'a laissé tomber, ma petite sirène. Bon, là, il va être minuit et on n'avance plus. Attends, je rentre. Il n'y en a pas. C'est quoi ? Non, non. Ah oui, tu vois. Mais non, c'est une méduse, ça.